Salut à tous, c'est Lokis, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online en 1.41 pour un nouveau glitch. Donc tout simplement je vais vous montrer comment avoir la tenue guerre motorisée donc de la nouvelle activité qui est sortie sur GTA 5 Online. Donc tout simplement c'est un sort d'H1Z1, je vais vous montrer, je vais faire un petit gameplay dessus prochainement. Vous allez voir c'est un vrai délire. Et donc pour commencer ce glitch il faudra faire comme moi dans la vidéo, c'est à dire lancer l'activité et ensuite suivre bien ce que je fais à l'écran. Donc pour lancer l'activité il faudra aller dans en ligne, activité, jouer activité et ensuite créer par Rockstar et descendre dans mode, dans le mode rivalité et aller tout en bas, elles sont vraiment tout en bas les activités, donc vous choisissez n'importe laquelle, donc que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, c'est n'importe, elles vont toutes marcher. Donc pour ma part j'ai lancé la deuxième. Je vous ferai une petite coupure pour pas que la vidéo soit trop longue. Et voilà, donc une fois que l'activité a été lancée, donc vous n'aurez plus qu'à choisir la couleur de votre tenue que vous voudriez, donc soit changer d'équipe. Donc pour ma part on pouvait plus changer d'équipe parce que la session était complète. Donc j'ai dû rester dans la tenue rose, donc c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que le glitch fonctionne bien. Donc il faudra juste attendre que l'activité se lance et c'est qu'après que tout va se jouer. Et voilà, donc une fois l'activité qui est lancée, il faudra tout simplement aller dans le menu d'interaction et aller dans style et ensuite dans habits illuminés et spammer tout simplement à droite ou à gauche comme vous voulez pendant à peu près 30 secondes. Donc faire comme moi dans la vidéo. Et donc une fois que vous avez spammé pendant 30 secondes, ce qu'il faudra faire c'est aller dans le menu PS et tout simplement lancer l'application Spotify, donc qui elle mettra en suspens GTA 5. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous la quittez directement et vous relancez GTA 5 online et là ça va vous mettre un message d'erreur qui va vous faire retourner en mode online. Une fois que vous serez en mode online, comme vous pourrez voir sur mon gameplay tout simplement, et bah vous allez respawn directement avec la menu, avec la tenue, excusez-moi, de guerre motorisée. Et donc vous aurez plus qu'à la sauvegarder. Et donc moi je vous laisse sur ces images. Je vous dis à tous bon game et bon glitch. Ciao tout le monde.